On a un petit sondage euh, en se connectant sur Dofus. Nous avons besoin de vous. Ce sondage a pour objet l'aspect graphique et pratique des interfaces, l'animation de sort et les cartes de combat. Ça prend 5 minutes. Merci d'y répondre afin de nous aider à améliorer l'expérience de jeu. Cliquons. Beta Dofus Unity Interface, Animation, Sort et Cartes du Monde. Nous avons besoin de vous. Ce questionnaire est destiné aux personnes ayant joué à la bêta de Dofus Unity. Il a pour sujet l'aspect graphique et pratique des interfaces, les animations de sorts et les cartes de combat. Trois fois qu'on le lit. Merci d'y répondre afin de nous aider à améliorer votre expérience de jeu. Cela prend moins de cinq minutes. Avez-vous joué à la bêta de Dofus Unity Oui. Bêta de Dofus Unity. Alors je vous envoie le lien. Si jamais. Beta d'Office Unity, interface, animation de sort, carte du monde. Que pensez-vous de l'aspect graphique des interfaces Je n'aime pas trop. Je ne vais pas dire pas du tout parce que ça serait vraiment être juste aigri. Mais je n'aime pas trop. Ça ne m'empêcherait pas de continuer avec Geek comme un port sur Dofus. Mais par contre, vraiment, c'est pas beau quoi. L'interface est... Il faut... Il faut, euh... y a pas le... Il est où le bouton Eternaris Il est où le, le bouton Eternaris là Ici. Hein? Attendez vite fait je vous montre ce que c'est Eternaris. Hop voilà ça par exemple Eternaris il a réfléchi à comment ça pourrait être ici pour la sélection de serveurs. Sinon il a des postes bien plus euh, vus sur le forum, comme par exemple des travaux des travaux pardon, qui se sont passés euh, sur euh, potentiellement l'apparence euh, de l'interface, c'est déjà plus joli. Sans parler des couleurs, hein, les bordures tout ça. Hop, on voit ici par exemple des itérations de, de l'anneau. Là ici c'est version Unity, là c'est sa version à lui, c'est quand même plus joli, alors ici par contre faudrait mettre la stat dans, plutôt à, à droite selon moi. Mais bon. Pareil il nous propose aussi hein, de pouvoir placer les interfaces de cette manière avec un quadrillage, c'est quand même bien mieux. Enfin bref, je vous envoie, je vous enverrai au pire le lien euh, dans la vidéo. Alors, concernant je n'aime pas trop. Suivant. Je vous envoie ça aussi ici. Beta Dofus Unity, interface, animation de sort et carte du monde. Expliquez pourquoi vous n'aimez pas l'aspect graphique de l'interface. Trop simple. Euh... C'est... L'âme. L'âme de Dofus que je ne retrouve pas. Dans cette interface. Euh... Peut-être juste... Le travail des Ternaris. Et une très bonne piste. Est-ce que cela peut vous dissuader de jouer à Dofus Unity lors de sa sortie Non. Ah non, non, moi non, personnellement, je ne vais pas mentir, ça va pas. Ça va pas me, me dissuader. Avez-vous des suggestions d'amélioration concernant l'aspect graphique des interfaces Euh cette personne cette personne euh, je vais marquer euh, sinon simplement rendre l'interface plus visible moins petite plus arrondie et retirer le graphe, sur les caractéristiques. Et modif, interface sort. Voilà, je fais sûrement des fautes hein, vous en faites pas. Quelles sont selon vous euh, les interfaces les moins pratiques à utiliser sur Dofus Unity Cinq réponses maximum. C'est tout Les moins pratiques. Amis. Euh, les moins pratiques. Chat. Bah chasse au trésor. Sort. Bah comment ça les songes infinis, personne n'y va. Autre, tu mets interface du jeu. Interface globale. Ouais. <laughs> C'est peut-être bah un peu ouais. gris aussi mais... Euh... Bah non, c'est pas, pas aigri. Interface. Euh, comment. ATH euh, Globalement un peu tout. ATH Pas globalement un peu tout. Là c'est aigri. Pas globalement un peu tout <laughs> l'ATH. Ah bah. Tout l'ATH, ouais, là c'est bien. Expliquez brièvement pourquoi la bêta de. Alors, expliquez, expliquez brièvement pourquoi. ami contact en jeu. C'est difficile à expliquer. Hein. Déjà, faudrait arriver à se connecter sur Unity. Peut-être. On va essayer. On va essayer hein. Pas sûr que ça fonctionne déjà. HDV, bon. j'avoue que quand je l'avais essayé à l'époque, euh, il buggait pas mal, mais après euh, ça doit être en cours de, euh... de travail ça. Euh, C'est pas mon boulot de toute façon. Hein. Euh, trop petit. Ouais, c'est que ton avis après, hein. c'est pas, pas forcément la vérité. J'aimais bien l'icône, l'émoticône. Émo N'hésite pas à regarder le chat. Le chat, il y a des gens qui donnent des bons, des bons conseils. Alors, HDV, euh, de fou, on peut plus retirer des items. Alors, ça, par contre, les trucs là, c'est peut-être juste des bugs, non Inventaire. Trop minimaliste, on ne sait pas où regarder. C'est un peu la même pour toutes les UI. c'est vrai. Euh, je ne comprends pas l'intérêt du graphique. Et quoi On y retrouve autre chose que des caractéristiques. Ça c'est vrai par contre, hein, caractéristiques. Ouais, le jaune, il, il, il a raison, Woody. Euh, on éviter de parler de ça. Il a pas de soucis, mais... Ah ouais, le, le, les dons de perso, les trucs comme ça, c'est illégal. Hein. Attention, pas enfin, illégal. C'est hors CGU, pardon. Globalement, un peu tout la TH. Voilà. Yvan... Animation de sort. C'est incroyable ça, par contre. Hein. Que pensez-vous des animations de sort J'aime beaucoup. Voilà. Le SRAM, je pas vu, mais c'est incroyable la faux euh, sur le SRAM. Très stylé. Hein. Les oh là là. cartes de combat, j'aime beaucoup. Enfin, moi vraiment, les cartes de combat, je, je revis. Je suis incroyablement content pour les trucs là. Avez-vous déjà partagé votre ressenti à propos de ces sujets sur le forum et ou sur les réseaux sociaux avant de répondre à ce questionnaire Oui. Avez-vous déjà remarqué où... Avez ou... d'autres remarques ou suggestions concernant d'autres sujets sur Dofus Unity euh... Il manque pas mal de petites options... Qu'on aimait bien sur Dofus 2.0, comme ne pas avoir besoin de cliquer dans la barre de recherche Alors, ajouter pour des les le sur zap les quêtes, et certaines mais... autres choses. que vois sur les quêtes, c'est peut-être une bonne idée, mais euh, c'est pas un travail qui trois mois. Hein. Et déjà, c'est pas prévu principe, pour le coup là. Hein, pour déjà, c'est pas prévu, ouais. mais c'est tellement long euh, à faire. J'aimerais qu'on centralise l'obtention des dofus comme quête principale dans l'ordre là. Alors argenté, carotte, do coco, veilleur, émeraude, pourpre. Euh, turquoise, DDG, etc. Le tout dans une trame principale avec une couleur de quête ou un logo. Je crois que tu t'es trompé sur obtention, apparemment. Mal bah, écrit. Ouais, y en a qui disent ah oui, merci les gars. Obtention. Quête principal ou un logo avec un principal. S avec un S principal. Bien. Dix. Je vais utiliser Reverso. Bien. Euh, qui se distingue bien. Pour les nouveaux joueurs. Alors, déjà je sais pas écrire. Voilà. Bon, on va utiliser Reverso les amis. Quand vous êtes comme moi et que vous avez des gros problèmes d'orthographe, c'est un minimum. Et ça. C'est pas boum. frangin pour rien. Hein. Moi, euh... Hop. Je suis pas très bon en orthographe. Reverso on va pas forcément tout le temps faire bien, mais il fera déjà 100, 100 fois mieux que moi donc c'est mon cheat code. D'accord Alors, terminé. C'est bon, c'est répondu les amis, alors je vous conseille de le faire de votre côté, ça peut aider en KAMA et surtout si vous voulez que votre jeu soit plus quali, ben, il faut, faut donner son avis. Je trouve que c'est important. Après bien sûr c'est pas à vous de travailler, mais donner votre avis, ça mange pas de pain.